Bonsoir à tous en cette soirée d'Halloween. Je vous retrouve avec joie dans cette première édition de la soirée de l'étrange. Et je vais vous emmener aux quatre coins du monde, là où se sont déroulés des événements assez extraordinaires, qui sont considérés par beaucoup comme paranormaux. Et honnêtement, très honnêtement, ces cinq histoires vont certainement vous empêcher de dormir ce soir, mais pour le moment, gardez l'œil ouvert, car je n'ai même pas encore commencé à vous effrayer. En tout cas, j'espère que vous êtes bien confortablement installés dans vos canapés, dans vos lits, avec bien sûr quelque chose à manger et quelque chose à boire. On va tous embarquer dans le train de l'horreur qui, dans un premier temps, va nous conduire jusqu'à un petit village français. Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Pour les 1 an de Nighty, je vous fais un petit cadeau, un code promo Halloween qui vous permettra de bénéficier d'un abonnement à Nighty au prix réduit de 2,99€ par mois. Pour ceux qui ne le savaient pas, Nighty est ma plateforme de streaming sur laquelle vous pourrez trouver des documentaires et fictions à l'esprit de ma chaîne. Paranormal, crime, mystère, le cocktail parfait pour cette saison. Nous avons récemment ajouté à notre catalogue Dark Secret, qui évoque une affaire de pédophilie dans l'église, dans laquelle les membres du clergé ont été protégés par leur hiérarchie au détriment de leurs victimes. Petit scoop, très vite, dans très peu de temps, vous aurez également accès aux vidéos de la chaîne YouTube jusqu'à une semaine en avance directement sur Nighty. Puisqu'il n'y aura que 166 activations et que l'offre n'est active que jusqu'à mercredi soir, dépêchez-vous de sauter dessus, le code c'est Halloween avec un i. Et bien sûr, le lien de Nighty sera dans la barre d'infos. Notre train de l'horreur nous emmène tout d'abord dans la petite commune de Le Tourneur, au cœur du bocage normand. Vous connaissez peut-être Le Tourneur si vous êtes normand, en tout cas c'est une ancienne commune française, une toute petite commune, je dirais même un village. En 2017, son nombre d'habitants s'est élevé à un peu plus de 630 âmes. On parle vraiment d'un petit village. Néanmoins, durant l'hiver 1875 à 1876, un château du village a été le théâtre de phénomènes extraordinaires. C'est certainement le cas de hantise français le plus documenté. Vous allez le voir, c'est assez dingue. Donc le château des Noyers était une maison bourgeoise, et j'en parle au passé puisqu'aujourd'hui il n'en reste littéralement que des ruines. Néanmoins, quand on cherche un petit peu sur Google, on tombe sur des photos incroyables qui nous permettent vraiment de prendre la mesure de la beauté des lieux au moment où le château était encore habité. Et c'est clairement un lieu de rêve pour les personnes comme moi qui adorent les châteaux. J'aurais aimé, adoré vivre dans un château. En octobre 1875, le château est habité par 8 personnes. Ferdinand et Pauline Lescaudet de Manneville, ainsi que leur fils Maurice, la cuisinière Célina, le cocher Émile, le jardinier Auguste, Amélina, la femme de chambre, et enfin Monsieur l'abbé, précepteur, donc professeur particulier du petit Maurice. Tous ces employés de maison pour une famille de 3, ça fait vraiment du bien d'être riche, hein. En tout cas, les habitants des lieux n'avaient jamais relevé quoi que ce soit d'anormal dans cette maison. C'est une magnifique demeure qui est magnifique en été mais aussi en hiver. Et pour Ferdinand et Pauline, c'était le lieu idéal pour élever leur petit Maurice. Il avait tout l'espace nécessaire pour courir, pour s'amuser, et eux pouvaient recevoir leurs amis dans un cadre assez agréable, assez luxueux. Et ils ne le savaient peut-être pas, mais dès 1867, la maison avait commencé à gagner une réputation un petit peu étrange. On la disait déjà hantée, notamment hantée par le fantôme d'une jeune femme. Plusieurs années auparavant, une jeune femme était morte dans cette maison. C'était les légendes qui tournaient dans le village. Et apparemment, un curé qui serait venu bénir la maison, libérer la maison de tous ces fantômes et esprits, serait tombé nez à nez avec le fantôme de cette jeune fille. Et elle lui aurait dit « Vous pouvez essayer de bénir la maison comme vous le souhaitez, mais je reviendrai toujours. J'y reviendrai sans cesse, quoi que vous fassiez. » En tout cas, malgré toutes ces rumeurs, les habitants de la maison n'avaient rien vécu d'incroyable jusque-là. Mais l'hiver 1875 a apporté avec lui un cadeau empoisonné. Et ce qui est génial avec ce cas, c'est que les habitants des lieux, la plupart des habitants en tout cas, ont tenu des journaux pendant cette période de hantise. Monsieur l'abbé nous ayant affirmé que son fauteuil change de place, nous l'accompagnons, ma femme et moi, dans sa chambre, et nous constatons minutieusement la place occupée par chaque objet. Nous attachons du papier gommé qui fixe au parquet le pied du fauteuil. Nous quittons monsieur l'abbé. Je lui recommande de m'appeler s'il arrive quelque chose d'extraordinaire. À 10h moins un quart, monsieur l'abbé entend sur le mur de sa chambre une série de petits coups, assez forts cependant, pour qu'il soit entendu également par Amélina, qui couche dans la chambre en face. Dès en entrant, je constate que le fauteuil a changé de place, d'au moins 1 mètre.
il est tourné devant la cheminée. C'était dans la chambre du curé, dit la chambre verte, que se concentrait une grande partie des phénomènes. Jusqu'ici, la chambre avait toujours été très paisible, très agréable, mais c'était devenu la pire pièce de toute la maison. Et cette chambre était située au premier étage, tout à gauche du bâtiment. On pouvait y entendre, presque en permanence, des objets se déplacer, des livres tomber, et même des coups violents comme si des personnes se bagarraient dans la pièce. Les phénomènes se sont arrêtés le 29 janvier 1876, après qu'un prêtre soit venu bénir la maison, après qu'un exorcisme de la maison ait eu lieu. Ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est non seulement le nombre de témoignages écrits, mais aussi le nombre de témoignages différents pour la même histoire. Ces différents témoignages se recoupent, et disent presque tous la même chose, ce qui fait qu'on aurait du mal à douter de la véracité des faits. Ces témoignages sont sous forme de journaux intimes des habitants de la maison, mais aussi de lettres, de curés, habitants du village. Autrement dit, tout le monde savait ce qui se passait dans cette maison, dans le château des Noyers. Et d'ailleurs, il est important de noter que tous les témoins de ces phénomènes étaient des personnes de confiance, des personnes à qui on accordait un certain crédit, notamment par leur statut social. Les Lescaudet de Manneville n'avaient absolument aucun intérêt pour leur réputation de raconter des mensonges, de raconter que leur maison était hantée. Ils auraient certainement été pris pour des fous, peut-être ignorés par le reste de la société mondaine, et donc ils n'avaient absolument aucun intérêt à faire ça. Bien sûr, après que la maison ait été bénie, après que les phénomènes se soient arrêtés, les habitants de la maison ont cherché des explications un petit peu plus rationnelles. Ils ont abattu les murs pour essayer d'y trouver peut-être des animaux qui auraient pu faire tous ces bruits, sans succès, et ils ont fini par se faire à l'idée qu'ils avaient vécu une réelle hantise. Et si ces phénomènes avaient été causés par un des habitants de la maison? C'est une hypothèse évoquée par David Gallet, auteur de Mystérieuses Archives, qui est d'ailleurs ma source principale pour vous raconter cette histoire. Et cette personne aurait pu être l'abbé, le précepteur du petit Maurice. Premièrement, la chambre verte était la chambre de l'abbé, et comme vous le savez, maintenant, la chambre verte était celle qui concentrait le plus de phénomènes paranormaux. Aussi, lors de l'épisode des livres éparpillés dans la bibliothèque, seuls des ouvrages religieux étaient restés à leur place sur les étagères. Mais aussi, l'exorcisme a fonctionné du premier coup. Mais dans beaucoup de cas de poltergeist, de maisons hantées, il faut un grand nombre d'interventions religieuses pour que les esprits se décident à partir. Et du coup, ce petit détail est un petit peu étrange, on pourrait se demander, est-ce que l'abbé a décidé un jour de créer tous ces phénomènes paranormaux afin peut-être de renforcer la foi des habitants de la maison. Quelles auraient pu être ses motivations pour agir ainsi, par contre, je n'en ai aucune idée. Mais bien sûr, rien ne peut prouver que l'abbé était bien instigateur de ces phénomènes, tout cela ne reste qu'une théorie. À ce jour, aucune explication rationnelle ou même scientifique n'a pu venir mettre un terme au mystère planant sur l'hiver 1875-1876 au château des Noyers. C'est peut-être juste mon imagination, mais ça vous dérange si je vous parle de quelque chose? Bien sûr, vas-y, que s'est-il passé? Je viens de prendre le train, mais quelque chose ne va pas. Ok, c'est le train que je prends toujours pour aller et revenir du travail, mais il ne s'est arrêté à aucune station depuis environ 20 minutes maintenant, et il s'arrête toujours toutes les 5 minutes, ou au plus toutes les 7 ou 8 minutes, mais il ne s'est pas arrêté du tout. Il y a actuellement 5 autres personnes à bord, mais elles sont toutes endormies. Notre train de l'horreur nous emmène à présent dans la préfecture de Shizuoka au Japon. Nous sommes le 8 janvier 2004, il est 23h. Et sur le forum japonais Futaba Channel, ou Chuchan, une utilisatrice qui se présente sous le pseudo Hasumi, commence à raconter en temps réel les événements étranges qui sont en train de lui arriver. Cette conversation a depuis été traduite à plusieurs reprises du japonais vers l'anglais, et pour cause, elle est vraiment fascinante. C'est le train que je prends toujours pour aller et revenir du travail, mais il ne s'est arrêté à aucune station depuis environ 20 minutes maintenant, et il s'arrête toujours toutes les 5 minutes, ou au plus toutes les 7 ou 8 minutes, mais il ne s'est pas arrêté du tout. Il y a actuellement 5 autres personnes à bord, mais elles sont toutes endormies. Peut-être que tu as pris un train express par erreur. Eh bien, il est possible que j'ai juste raté mon arrêt. Je vais attendre un peu plus longtemps. Si autre chose d'étrange se produit, je viendrai vous en parler ici.
Les utilisateurs du forum posent plusieurs questions à Hasumi et surtout, ils lui suggèrent d'aller voir si le conducteur du train ne s'est pas endormi, ou même pire, s'il n'a pas fait une crise cardiaque par exemple. Hasumi prend son courage à deux mains et décide de frapper à la petite porte qui sépare l'espace conducteur de l'espace passager, mais elle n'obtient aucune réponse. Elle fait tout de même remarquer aux membres du forum que le train vient de passer sous un tunnel, chose qu'il ne fait absolument pas habituellement. En tout cas, sur son trajet, Hasumi ne passe jamais sous un tunnel. Après cela, le train semble ralentir et puis il s'arrête. Oh, on dirait qu'on s'arrête finalement, à une station. Tu ne descends pas, n'est-ce pas? Nous sommes à la gare de Kizaragi. Je me demande si je dois descendre. J'avais jamais entendu parler de cet endroit auparavant. Imaginez un petit peu la scène. Vous êtes une jeune femme, vous montez dans un train et vous ne savez absolument pas où votre train se rend parce qu'il ne s'arrête pas à tous les arrêts auxquels il est censé s'arrêter. Il passe sous un tunnel alors qu'habituellement il ne passe pas du tout sous un tunnel. En plus, vous êtes à peu près sûr de ne pas vous être trempé de train puisque la station à laquelle vous êtes monté est un terminus. Et donc, à partir de là, les trains ne vont que dans une seule direction. Et enfin, votre train s'arrête à la station Kizaragi, dont vous n'avez absolument jamais entendu parler. Il fait nuit, il fait sombre, tous les autres passagers du train dorment, mais surtout le lieu est isolé et il est complètement désert. La station Kizaragi semble être une gare isolée sur la ligne de chemin de fer Enshu. Elle mentionne sur le forum le fait qu'elle n'a jamais entendu parler de cette station, justement. Du coup, elle a un petit peu peur et elle ne sait pas du tout si elle doit remonter dans le train ou non, puisqu'il risque de repartir à tout moment. Et finalement, après quelques minutes de réflexion, la jeune femme décide de se mettre en route pour chercher un taxi aux abords de la gare. Mais elle finit par réaliser que le lieu est tellement isolé qu'aucun taxi ne se trouve à proximité de la gare. Du coup, j'ai appelé à la maison et j'ai demandé à ce qu'on vienne me chercher. Mais aucun de mes parents ne semble savoir où se trouve la gare de Kizaragi. Ils vont la chercher sur les cartes pour pouvoir venir me chercher. J'ai cherché un téléphone public mais il n'y en a pas, et personne d'autre n'est descendu donc je suis seule maintenant. Et ouais, la station s'appelle bien Kizaragi. En y regardant de plus près, il semble que ce soit écrit avec le kanji pour « diable », mais on lit Kizaragi. Hasumi est véritablement terrifiée. Heureusement, elle a le soutien des membres du forum, à qui elle parle régulièrement, et il la conseille sur ce qu'elle devrait faire. Finalement, la jeune femme décide de remonter le tunnel par lequel le train vient d'arriver, et ce même si tous les membres du forum lui conseillent de rester à la gare et d'attendre que le jour se lève. Après tout, c'est une femme seule, dans un lieu isolé, il fait nuit, qui sait ce qui pourrait lui arriver? Oh, j'ai quitté le tunnel et il y a quelqu'un devant. J'ai bien fait de suivre vos conseils finalement. Merci beaucoup. Mon visage est tellement noyé de larmes qu'il pourrait me prendre pour un monstre. Attends, Hasumi, ne meurs pas dans nos bras. Stop, c'est pas une bonne idée. Y a quelqu'un? Si tard dans la nuit, c'est super suspect. Il a l'air gentil, il s'est inquiété pour moi. Il a appelé un train pour m'emmener à la gare la plus proche. Apparemment, il y a une sorte d'hôtel là-bas. Malgré les recommandations des membres du forum de ne pas faire confiance à cet homme, Hasumi décide tout de même de le suivre. On imagine qu'à ce moment-là, elle est désespérée, elle n'a eu aucun véritable contact humain depuis quelques heures maintenant, mais pendant le trajet, elle signale que le comportement de l'homme a changé, qu'il a cessé complètement de lui parler, mais qu'il se parle à lui-même. Et elle finit par poster ce qui suit. « Ma batterie est presque à plat, les choses deviennent un peu étranges, du coup je pense que je vais m'enfuir. » Il est en train de se parler à lui-même, il dit des choses bizarres depuis un moment maintenant, et du coup je vais me préparer à lui échapper. C'est mon dernier message pour le moment. Et les avis sont très partagés sur cette histoire, comme vous pouvez l'imaginer. Certains croient dur comme fer à sa véracité, hein, mais d'autres la classent dans la case des creepypastas. Et vous, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous pensez qu'Hasumi a effectivement basculé vers un univers parallèle? Sachant qu'à l'époque, les ARG étaient vraiment, vraiment beaucoup moins répondu qu'aujourd'hui, voire pas du tout. Je vous laisse décider dans les commentaires. Je ne pouvais absolument pas terminer cette vidéo sans que notre bus de l'horreur nous conduise jusqu'en Afrique. Il y a 10 ans, un utilisateur de Reddit se faisant appeler Dan Slight a posté ce témoignage assez effrayant
sur Reddit. Nous appellerons cette personne Jake. Jake a expliqué que ses deux parents avaient grandi en Afrique et que donc il lui racontait régulièrement des histoires de leur enfance. En grandissant, Jake a commencé vraiment à s'intéresser à l'occulte, au paranormal, à toutes ces choses un petit peu glauques qu'on adore sur cette chaîne. Et donc naturellement, il a commencé à réclamer à ses parents des histoires un peu plus surnaturelles, des histoires impliquant des fantômes, des esprits. C'était vraiment celle qu'il préférait. Cette histoire se déroule donc dans les années 60 à 70, dans une ville de la côte ouest de l'Afrique. Le père de Jake avait à l'époque 11 ou 12 ans, et on va l'appeler Patrick. Patrick et ses frères et sœurs ont un jour été convoqués par leur père qui voulait leur faire une petite leçon de morale, ou une petite leçon tout court. Ils savaient que ces enfants n'allaient pas tarder à sortir un peu plus tard le soir, ils devenaient adolescents, et donc ils voulaient leur donner quelques petits conseils. Mais il ne s'agissait pas d'instructions ordinaires, comme nous le dit Jake. Ces conseils ont été adaptés spécifiquement aux rencontres avec des voleurs, des braconniers, et même certains fantômes ou esprits maléfiques. Le grand-père de Jake a dit à ses enfants « Écoutez, vous devez particulièrement faire attention à ce type d'esprit-là. » Sans forcément donner leur nom, il leur a expliqué qu'effectivement, ces esprits faisaient partie d'un autre monde, d'une autre dimension, et qu'ils étaient très dangereux. C'était apparemment des esprits féminins, et ces esprits portaient apparemment une sorte de linceul. Donc une sorte de drap mortuaire, et de ce linceul ne sortaient que leurs bras et que leurs jambes. Je n'ai jamais vraiment posé de questions sur le visage, probablement parce que je ne voulais pas me faire peur inutilement. Mais en tout cas, ces entités étaient censées hurler, on les entendait régulièrement hurler dans les villages, et apparemment, elles étaient également connues pour prendre possession des êtres humains les plus faibles. Donc j'imagine notamment des enfants. Quoi qu'il en soit, un jour, Patrick, le père de Jake, et son petit frère que nous appellerons Marc, Patrick et Marc, rentraient du cinéma ou du théâtre. On va dire qu'ils rentraient du cinéma. Et du cinéma jusqu'à chez eux, ils devaient parcourir entre 11 et 12 km à pied. C'est vrai qu'en Afrique, ce sont des choses qui se font régulièrement. Les enfants marchent beaucoup pour aller à l'école ou d'un point à un autre, puisque dans les petits villages particulièrement, tout est un petit peu éloigné. Et donc ils descendaient une longue colline quand ils ont été apostrophés par un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes qui était en pleine pause de travail et qui buvait des bières. Ils étaient en sueur d'après le père de Jake. Et ils ont dit aux deux gamins, « Si vous voulez dormir cette nuit, ne vous retournez pas. Ils vous suivent. » Et à partir de ce moment-là, Patrick a immédiatement su à quelle créature cet homme faisait référence, car son père lui en avait déjà parlé à plusieurs reprises. C'était ces esprits féminins qui étaient couverts d'un linceul. Le petit garçon se souvenait avoir entendu que ces esprits justement fréquentaient régulièrement cette route et qu'ils s'attaquaient aux personnes qui osaient la prendre, qui osaient marcher sur cette route. Mon père et son frère étaient si occupés à discuter de leur journée qu'ils n'ont même pas remarqué le groupe titubant de démons qui s'approchait d'eux. Malheureusement, son idiot de frère a décidé de tourner la tête pour jeter un coup d'œil derrière lui. C'était la chose la plus terrifiante qui lui avait été donnée de voir. La vue de ces choses l'a littéralement transformé en un idiot bafouillant, a bloqué ses jambes et a arraché l'air de ses poumons. D'après ses dires, il aurait vu des démons femelles en plein jogging, en train de courir donc. Mais ce qui a fait de ce spectacle un véritable spectacle, c'est la façon dont elles prenaient de la vitesse avec leurs figures déformées, leurs jambes cassées au niveau des genoux et leurs pieds tordus vers l'arrière. Deux d'entre elles tenaient des pots d'argile sur leur tête, tandis que les autres retenaient leur linceul pour les empêcher de tomber. Marc, le frère de Patrick, a finalement retrouvé ses esprits. Et à ce moment-là, il a commencé à courir. La seule chose à laquelle il pouvait penser, c'était se sortir immédiatement de cette situation. Mais en courant sans vraiment regarder devant lui, il a trébuché sur Patrick et les deux petits garçons sont tombés à terre. Et c'est seulement à ce moment-là que Patrick a vu de ses propres yeux le groupe de démons qui se dirigeait à toute vitesse vers eux. Imaginez un peu la scène où vous êtes par terre avec votre frère dans vos bras, et un groupe de démons femelles aux jambes tordues court vers vous, des démons au visage hideux. Ces démons femelles auraient plongé sur les deux petits garçons. Et après, auraient disparu. Je ne vais pas dormir ce soir. Bon, il fallait bien que notre train de l'horreur nous transporte vers les États-Unis. Nous sommes en 1990 au Footlight Ranch, à environ une heure de Dallas. Olivia Mabel et sa petite famille vivent paisiblement dans cette belle propriété avec étang. Ouais, un étang dans sa...
J'aimerais bien. Et quand je dis petite famille, je parle bien d'une toute petite famille, puisque les Mabel ont seulement un fils, nommé Hayden. C'est vraiment la prunelle de leurs yeux. C'est leur fils unique, et Olivia est particulièrement fusionnelle avec son petit garçon. Et un jour, alors que Hayden s'amuse sur la propriété, il disparaît. Olivia le cherche partout. La propriété est assez grande, mais il est impossible qu'il se soit totalement volatilisé. Quelques heures plus tard, le petit garçon est retrouvé flottant sur le ventre dans l'étang. C'est vraiment le pire cauchemar des Mabel qui se réalise à ce moment-là. Leur garçon adoré, leur fils unique, est mort. Olivia est accablée de chagrin. C'est normal, elle vient de perdre son fils unique, c'est une situation horrible, mais elle est vraiment vraiment accablée de chagrin. Elle se ferme totalement au monde extérieur, elle cesse d'aller à l'église, elle cesse même de se rendre au travail, elle ne voit plus ni ses amis ni sa famille, et les relations avec son mari se détériorent énormément, au point où ils finissent par se séparer en 1991. Et donc la jeune femme aurait commencé à vivre seule, recluse, dans cette immense propriété. Nous sommes maintenant 2 ans et demi plus tard, le 27 février 1994, quand des policiers reçoivent des appels étranges, silencieux, provenant justement de Footlight Ranch. Et vous le savez maintenant, c'est la maison d'Olivia Mabel. C'était assez étrange parce que personne n'avait vu Olivia depuis septembre 1991, et surtout, la dernière fois qu'une personne extérieure à la famille s'était rendue sur place, c'était pour constater le décès du petit Hayden. Et même si les appels sont silencieux, les policiers tiennent à se rendre sur place au cas où, juste au cas où, par précaution. Ils montent en voiture, ils arrivent dans la propriété, tout est calme. Très calme, et surtout tout est très sombre. En arrivant au ranch, les policiers frappent bien sûr à la porte, ils n'obtiennent aucune réponse, ils vont donc commencer à frapper aux fenêtres. Encore une fois, aucune réponse, et pourtant, les appels viennent bien de Footlights Ranch. Ils ne se sont pas trompés, ils en sont sûrs. Et finalement, parce qu'ils craignent que quelqu'un soit en danger à l'intérieur de la maison, ils décident de défoncer la porte. La maison est totalement à l'abandon. Tout est en désordre, sale, mais surtout, une couche épaisse de poussière s'est déposée sur tous les meubles. Il semblait vraiment que personne n'avait vécu dans cette maison depuis des années. La seule pièce qui était étrangement bien rangée était la chambre du petit Hayden. C'était très bizarre pour les policiers de voir le contraste entre le reste de la maison et la chambre d'Hayden. Et dans cette chambre se trouvait Olivia. Elle était en chemise de nuit et pantoufles, elle tenait dans sa main une sorte de poupée qui ressemblait un petit peu à une poupée vaudou, et surtout, elle était morte. Dans un coin de la pièce, il y avait une sorte d'autel en hommage, en honneur au petit Hayden, avec sa photo, un gant de baseball, des chaussettes, des doudous, des objets qui lui appartenaient finalement. Et selon les enquêteurs, Olivia était déjà morte depuis plusieurs mois. Voici le témoignage de Francesca Santiago, l'un des premiers officiers présents sur les lieux. « J'ai passé beaucoup de temps à El Paso, et j'avais un oncle qui était dans les trucs occultes, très sombres. Quand je suis entrée dans cette pièce et que j'ai vu les symboles et les photos sur l'autel, j'ai senti une forte présence colérique planer au-dessus de moi. Honnêtement, c'était la dernière chose que je m'attendais à voir dans cette ville. » Et en se basant sur tous ces témoignages, il a été supposé qu'Olivia Mabel avait réussi à canaliser toute sa colère, toute sa rage, toute sa peine dans une entité bien réelle. Et ce genre d'entité est connu dans le monde du bouddhisme comme un tulpa, en anglais thought form. Un tulpa est décrit comme un être créé par une discipline spirituelle ou mentale pure et simple, ou des formations magiques générées par une puissante concentration de pensée. Le plus étrange, c'est que les officiers ont trouvé près d'Olivia une note datée du 27 février 1994, au moment où ils ont donc pénétré dans la maison. Et le message disait « Mon Hayden, je suis désolée, je suis tellement désolée, je n'aurais jamais dû laisser les choses en arriver là. Je m'en vais, je ne te laisserai pas me garder. Toi, vile créature, maman vient pour toi Hayden, mon doux Hayden, maman t'aime. » Histoire incroyable, n'est-ce pas? Vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'elle est vraie? Pensez-vous qu'elle est fausse? Petit spoiler pour vous, cette histoire est complètement fausse. Bon, je tenais vraiment à vous la raconter parce qu'elle est incroyable. Il y a quelques mois, je suis tombée sur le site internet, un site internet qui racontait l'histoire d'Olivia Mabel, et je me suis dit « Waouh, cette histoire est dingue !» Et j'ai appris que ce site internet avait été créé pour financer un film d'horreur. C'est en fait la backstory d'un film d'horreur qui aurait dû être réalisé en 2013, appelé justement
Thought Form. Et malheureusement, les réalisateurs n'ont jamais réussi à atteindre l'objectif des 10 000 dollars qui leur aurait permis de réaliser le film. Mais pour le coup, je tenais à vous raconter cette histoire parce que ce film aurait été très intéressant. Notre train de l'horreur va à nouveau faire un détour vers l'Asie et cette fois-ci, nous nous rendons jusqu'en Chine. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire pékinoise qui est très largement considérée comme vraie. Elle aura été relatée par un grand nombre de journaux d'information chinois et autant vous dire que, tout comme la précédente, j'aurais préféré qu'elle soit fausse. Cette histoire est souvent appelée le dernier bus pour les collines parfumées. Et depuis 1995, bien sûr, son nom a beaucoup changé et les versions ont totalement évolué également. Et donc je vais vous raconter la version la plus courante de cette histoire. Nous sommes le 14 novembre 1995, par une nuit orageuse, par une nuit sombre. Li monte dans le dernier bus en direction des collines parfumées de Pékin, situées dans le district de Haidian. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Mon copain va vraiment me taper. Li monte dans le bus, on suppose qu'il est très fatigué, il est assez tard, hein, c'est le dernier bus après tout. Il s'installe confortablement, prêt à faire son petit chemin pour rentrer jusqu'à chez lui, où il va certainement passer une petite soirée tranquille, dîner puis dormir. Et très peu de temps après que Li soit monté dans ce bus de la ligne 302, deux hommes, à l'extérieur, font signe au bus de s'arrêter. Je déteste ça quand je suis dans mon bus et que des gens qui sont en retard font signe au bus de s'arrêter comme ça, là. Ce n'est pas un taxi, c'est un bus, il y a des horaires. Bon, je sais que parfois ils arrivent un peu trop tard ou un peu trop tôt, mais s'il vous plaît. En plus, c'est le dernier bus en plus, on a envie de rentrer chez nous. Et justement, le chauffeur a un petit peu hésité avant de prendre ces hommes parce qu'en plus, ils n'étaient absolument pas à un arrêt de bus. C'est-à-dire qu'ils ont hélé le bus alors qu'ils n'étaient absolument pas à un arrêt de bus. C'était un petit peu suspect. Mais le chauffeur s'est dit, bon, je conduis quand même le dernier bus, si je ne les laisse pas monter, peut-être qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux, je vais faire un geste de bienveillance. Et donc il s'est arrêté, il a ouvert les portes du bus pour que ces hommes puissent monter. Et tous les passagers ont été surpris de voir que ces hommes, il y en avait trois, portaient des robes de la dynastie Qing. Ce ne sont absolument pas des vêtements communs. Et donc pour vous expliquer un petit peu, il y avait deux hommes qui portait un troisième homme. Ce troisième homme avait les cheveux très longs, qui était mal coiffé, qui était un petit peu sale, et il semblait inconscient. Et surtout, ah, j'ai un petit peu peur, les visages de ces hommes étaient blancs. Très blancs. Pas blanc caucasien. Blanc fantôme. Et là, vous l'imaginez bien, Li n'était pas très à l'aise. Le pauvre conducteur a essayé un petit peu de calmer le jeu en rassurant les passagers, en leur disant, écoutez, ne vous inquiétez pas, ce sont certainement des acteurs, des comédiens, ils sont déguisés, il n'y a pas de problème, on repart. Et donc Li observe ces hommes, du coin de l'œil, il n'ose pas vraiment les regarder en face parce que quelque chose ne va pas avec ces hommes. Il y a quelque chose d'étrange avec eux, il ne sait pas quoi, mais il le sait. Peu à peu, lentement, au fil des arrêts, le bus se vide de ses passagers, mais les trois hommes sont toujours dans le bus, et finalement, au bout d'un moment, il ne reste plus que Li et une vieille femme. Et là, d'un coup, la vieille dame accuse brusquement Li d'avoir volé son portefeuille. Elle fait toute une scène. Mais c'est trop bizarre, j'avais mon portefeuille, vous étiez assis juste à côté de moi. Non, 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 je suis pas d'accord. On va se rendre à un poste de police. S'il vous plaît, monsieur le chauffeur, arrêtez le bus. Je suis sûre que vous m'avez volé. Bref, elle fait toute une scène. Li se défend comme il peut et lui dit, mais madame, je n'ai absolument pas touché à vos affaires. Mais la vieille dame insiste pour qu'il descende du bus afin de se rendre jusqu'à un poste de police. Et donc le jeune homme, qui n'a rien à se reprocher, accepte. Et une fois descendu du bus, Li est encore plus en colère. Et il dit à la vieille femme, « Mais écoutez, franchement, là, vous exagérez. J'ai rien volé, je n'ai pas volé vos affaires. Et en plus, vous venez de me faire descendre du dernier bus qui aurait pu me conduire jusqu'à chez moi. » Et là, la vieille femme dit à Li, « Écoutez, je sais que vous ne m'avez pas volé mes affaires. » J'ai toujours mon portefeuille, je suis désolée de vous avoir mis dans cette situation. Quand nous étions dans le bus, une sorte de rafale de vent est venue soulever la robe des trois hommes mystérieux. Et là, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas de pieds. Vraiment, genre, je peux vous dire que j'ai des frissons. Je suis seule actuellement. Je ne suis pas bien. Et Li lui dit, mais comment ça, ils n'avaient pas de pieds? Qu'est-ce que vous racontez? Ils étaient un petit peu étranges, mais qu'est-ce que vous racontez? Et la dame lui dit, écoutez, ils n'avaient pas de pieds.
Et donc je suppose qu'ils étaient des esprits, des fantômes, peut-être même des esprits malveillants. Le lendemain matin, le bus 302 est porté disparu. Et selon certaines versions, il aura fallu attendre 3 jours avant de le retrouver. Le bus aurait finalement été retrouvé dans un réservoir en périphérie de la ville, vraiment bien loin du trajet qu'il faisait habituellement. Et à l'intérieur se trouvaient 3 corps en état de décomposition, notamment le chauffeur du bus, mais aussi un homme aux cheveux très longs et mal coiffés. Dans certaines versions de cette histoire, la police aurait réalisé que le réservoir d'essence n'était pas rempli d'essence, comme il devait l'être, mais de sang. Plusieurs mystères entourent cette histoire, notamment le fait que le bus n'avait pas assez d'essence pour se rendre jusqu'au réservoir où il a été retrouvé. Aussi, les corps étaient très très décomposés, un petit peu trop, pour la période relativement courte de leur disparition, quoi. Bien sûr, les officiers de police ont parcouru les caméras de surveillance, n'ont rien trouvé d'anormal. Et depuis 1995, cette affaire est petit à petit rentrée dans le registre des légendes urbaines. Avec le temps et les divers témoignages et le bouche à oreille, cette histoire a été un petit peu déformée, aussi un petit peu exagérée. En tout cas, une certitude subsiste, quelque chose d'étrange se serait bien passé le 14 novembre 1995 dans le dernier bus pour les collines parfumées de Pékin. Mes très chers, cette vidéo est terminée, mais j'espère qu'elle vous aura apporté quelques frissons. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces histoires dans les commentaires, mais surtout, continuons cette soirée dans les commentaires, racontez vos propres histoires paranormales, je serais ravie de les lire. Passez une très belle soirée d'Halloween, faites attention à bien fermer vos portes ce soir, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.